On espère que vous allez bien. Espero que se encuentren bien. Hope you are okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de codelotte, crevettes et chorizo. Hoy vamos a realizar una receta de cola de rape con camarones y chorizos. Today's delicious recipe will be barbed fish with shrimps and chorizo. Barbed fish is a cold water fish. So delicious that it is tasting like lobster. On espère qu'elle vous plaira et on passe aux ingrédients. Espero que le guste y pasamos a los ingredientes. Hope you will like it and let's see the ingredients now. Il nous faut de la codelotte. Vamos a necesitar cola de rape, barbed fish, crevette, camarones, shrimps, chorizo, persil, perejil, parsley, fagus d'ail, ingredientes de ajo, garlic, triclos, tomate, tomatoes, de l'oignon, cebolla, onion, du sel, sal, salt, concentrado de tomate, tomato concentré, de la sauce de tomate, salsa de tomate, tomato sauce, et du poivron vert, y pimientos dulces, and sweet pepper. On commence par découper la queue de l'hôte et on écrase l'ail. Comenzamos a picar la cola de rape y machacamos el ajo. We start by slicing the fish and crushing the garlic. On passe à sa cuisson. Passamos a la cuisson. Let's start the cooking. Don't go away. Stay till the end. You will see how easy it is. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est très facile. Quédate con nosotros hasta el final, verás cómo es fácil de realizar. Avec les têtes de crevettes, je réalise un bouillon. Con la cabeza de los camarones, vamos a realizar un caldo. On les fait revenir pendant 3 minutes en les écrasant à feu doux. Los dejamos sofreír durante 3 minutos, machacándolo poco a poco y lo cocemos a fuego lento. On ajoute un tout petit peu d'eau. Agregamos un poquito de agua. Je les écrase, los machacamos. En tout, j'ai rajouté 1 litre d'eau. Maintenant, je le laisse bouillir pendant 15 minutes. He agregado 1 litre d'eau en total
y lo dejo hervir durante 15 minutos. 15 minutos après, le bouillon est prêt. On va le passer dans une passoire. 15 minutos después, el caldo está listo. Vamos a colarlo. On les cuire 2 minutos de chaque côté. Dejamos cocer 2 minutos de cada lado. Laissez bouillir 5 minutes. Dejar hervir 5 minutos. Et voilà, le plat est prêt, la receta está lista y está deliciosa, c'est très 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 bon. La recette est prête, on espère qu'elle vous aura plu.
La receta está lista. Espero que le haya gustado. The dish is now ready. Hope you will like it. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, gracias de compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal si no los ha hecho, dale al botón me gusta, comparte, comenta y nos vemos en una próxima receta. I know you like this recipe, so why don't you subscribe? It's free, you lose nothing. Share, comment and see you next time for a next recipe. Thank you for watching. Merci beaucoup, muchas gracias, au revoir, hasta pronto, see you soon, merci beaucoup, muchas gracias, thank you so much, bye bye.